you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on fête nos 5000 abonnés et avec la collaboration d'Alexiane du site Sublime et aussi L'Oréal, marque que je chéris de mon amour, voyez, nous vous proposons tous ensemble un concours pour gagner cette petite nouveauté qui est le Magic Retouch couvre les cheveux blancs jusqu'au prochain shampoing. Donc, on va voir ensemble comment cela fonctionne, mais en termes général, c'est pour couvrir, vous savez, les racines lorsque vous avez des cheveux très blancs sur des cheveux noirs, par exemple comme les miens. Donc là, on verra pas bien, mais vous voyez, j'ai vraiment des mèches blanches, quoi, dans mes cheveux. Donc lorsque même les cheveux colorés, vous avez les racines qui repoussent, et que ça, c'est vraiment disgracieux parce que vous avez vraiment des pigmentations qui se voient ici et que ça fait vraiment clair, ce produit est fait pour vous, en gros. Donc moi, ce que j'ai proposé à Alexiane, c'est de le tester en direct, mais aussi sur les longueurs, puisque je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué que suite à mes colorations, en fait, mes cheveux blancs arrivent ici, en gros, et s'arrêtent, ça fait une barre ici. Donc on va tester ensemble ce que ça donne. J'espère que vous verrez correctement, parce que j'ai pas de racines si vous voulez moi, mais j'ai vraiment une mèche blanche ici, vous voyez. Donc le truc étant de bien vous le montrer afin de couvrir la mèche problématique. Voilà. Au niveau des conseils d'utilisation, recouvrir les épaules d'une serviette pour protéger vos vêtements. Bien secouer avant l'usage, tenir le produit droit, appliquer sur cheveux secs et coiffés, vaporiser à 10 cm des cheveux avec une pression légère. Ne pas trop vaporiser, une petite quantité suffit. Donc, idéal pour les cheveux noirs à brun, mais vous, vu que vous allez le gagner, on vous mettra dans le colis la couleur qui vous correspondra. On va pas vous donner du blond alors que vous êtes châtain foncé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On ne vous a pas fait de bêtises. Pour participer, il faut être abonné à ma chaîne et de toute façon, toutes les conditions requises seront en barre d'infos. Je vous laisse aller la consulter. Et comme d'habitude, en fait, il faudra juste aller cliquer sur un lien, remplir votre participation et on tirera au sort la gagnante. C'est sûr que celle qui n'est pas abonnée à ma chaîne, ça va poser problème, vous voyez. Donc voilà. On va passer donc à la pratique, n'est-ce pas? Et afin de passer à la pratique, je me munis de mon t-shirt de séchage de cheveux que je passe donc sur mes épaules, hein. C'est mieux. Et donc, j'espère que le micro va pas trop faire de bruit disgracieux. Et donc on va procéder à l'application. Donc je suppose qu'il faut bien secouer, hein, bien hésiter, bien secouer en usage. La fille qui vient de dire l'étiquette mais qui se souvient déjà plus. Vous savez, quand je vous dis que j'ai un cerveau de poisson rouge. Alors, déjà, première constatation, ce qui est hyper cool, c'est que l'application est forcément ultra précise puisqu'il y a un embout hyper fin. Puisqu'il y a un embout très très fin qui va permettre de pulvériser à la racine. Donc étant donné que moi je n'ai pas vraiment de racine, on va pulvériser sur racine et longueur pour voir ensemble ce que ça donne. Si mon miroir, mon beau miroir, il veut bien... Voilà. Donc, bien agité, tenir droit, 10 cm. On y va. Vous êtes prêtes? Alors moi les tests comme ça, bon ça va que c'est L'Oréal que j'ai confiance parce que franchement les tests comme ça en général sur mes cheveux... Alors, premier constat, j'ai appliqué vraiment une toute petite quantité, ça a déjà couvert la majorité. Cependant, ça a aussi floqué, ou je sais pas comment trop on dit en fait. Ça, à peine j'ai fait ça, ça a bavé un peu sur mon front. Voilà, donc voilà quoi. Donc bon, déjà ça c'est fait. Mais il a fallu qu'une toute petite pulvérisation, je me rapproche. Pour que ça couvre déjà la racine. Oh là là, j'ai peur. J'aurai peur. Ah mais 10 cm, comment tu veux correctement déterminer 10 cm
pour pas t'en mettre sur le front. Après, sur la longueur, ça va tout seul. Ouais, sur la longueur, ça va tout seul. C'est miraculeux. Et voilà. J'aurai plus de cheveux blancs. C'est parce que j'appuie pas franchement, je pense. Et voilà. Là, j'ai appuyé clairement et franchement. Et j'ai plus de problème de cheveux blancs devant, ça ne se voit plus. Donc, je vais écarter un tout petit peu pour aller vraiment sur tous mes cheveux blancs. Voilà, parce que, étant donné que j'en ai beaucoup. Donc, salut! Je sais même pas si vous allez vous inscrire au concours pour le gagner, parce que vu... Donc, ne pas être maquillée avant de... Alors, on va voir si ça tient vraiment hyper bien. Est-ce qu'un coup de pinceau peut atténuer... la chose. Ouais, ça va. Donc après, à savoir si en séchant, ça bave, vous savez, ou pas. Donc déjà, honnêtement, vous voyez le résultat. Entre ici, où c'est vraiment très blanc, vous voyez, et le dessus, quand vous vous coiffez, par exemple, que vous mettez votre mèche, et que... Mais c'est fait que pour les racines, à la base, je précise. Parce que là, je suis en train d'appliquer sur les longueurs. Alors que c'est que pour les racines quand même. C'est Magic Retouch Racine, tu vois. Roots. Donc bon, moi je vais quand même pulvériser sur quelques petites longueurs parce que j'ai quand même des cheveux blancs sur la longueur, malheureusement. Ça fait très bien son job. Alors, je vais aussi pulvériser ici sur... Vous voyez le trou blanc que ça fait? C'est super, hein, ça couvre... Regardez. Et voilà, n'en a plus de trous blancs. C'est super. Alors je suppose qu'il faut laisser sécher un petit peu. Pour, parce que de ce côté-là, j'en ai pas en fait. Ou j'en ai très peu et ça se voit vraiment pas du tout. Ça se voit beaucoup? Non, j'en ai pas trop là. Mais du coup, ouais, c'est bluffant. Et j'avais peur que ce soit vraiment trop noir, mais en fait, pas du tout. Et vous voyez, en une petite application, ça vous couvre... Donc, est-ce que j'en ai utilisé beaucoup? Non, j'en ai encore pour une vie à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce qu'en général, les pulvérisations, en très peu de temps, ben t'en as plus. T'as plus rien dans le... Non. Je vais essayer de vous faire écouter au micro. Là, on entend quand même qu'il y en a plein dedans encore. Donc, je dirais... Attendez. Après, c'est à vous de bien... Voilà. De bien gérer votre application, mais comme je vous dis, en général, c'est pour les racines et pas pour les pointes, pour les, enfin pour les, je vais y arriver, pour les longueurs. Mais honnêtement, je suis bluffée par le produit. On voit plus du tout. On voit plus mes cheveux blancs. Regardez ça, c'est magique. Ouais. Si on va en dessous et qu'on va creuser, oui. Regardez, en dessous, oui. Parce que j'en ai pas posé. Mais si vous bougez pas et que vous vous coiffez, voilà, et que ça reste comme ça toute la journée, où vous êtes censé bosser ou etc., même pour faire une queue ou quoi que ce soit, je précise encore une fois que c'est que pour les racines, mais moi je les, voilà, je les mets en longueur et ça rend super bien. Attendez, alors test. Alors là. Je vous fais un super test. Bon, ça va, on va dire. Il y a pire hein, en termes de décoloration. Excusez-moi, je regardais énormément le retour caméra, mais parce que en fait, ça m'aide à me rendre compte de ce que vous voyez. Donc, il suffit de coiffer ensuite. Donc là, forcément, je vais retirer le t-shirt. Mais après, je vais coiffer. Voilà. Et c'est nickel. C'est nickel. Moi qui ai vraiment une grosse mèche blanche devant, là, j'ai plus rien. Et je suis ravie.
Ça aide énormément pour une soirée, par exemple, où bah, c'est sûr que c'est pas une solution, on va dire que ce n'est pas une solution sur le long terme parce que ce n'est pas une coloration. Mais je pense que pour effectivement attendre un petit peu entre deux colorations et éviter de les abîmer de trop, c'est une très très bonne alternative. Moi qui ne veux par exemple pas colorer mes cheveux et qui assume pleinement mes cheveux blancs pour les occasions où j'ai pas envie de laisser voir aux gens que j'ai des cheveux blancs, c'est nickel. Franchement, je vous conseille de le tester au moins une fois pour un petit peu voir ce que ça peut donner. Mais moi, honnêtement, j'aime beaucoup. Bon, à part la blague du début où j'ai vaporisé un peu trop près et sans me protéger. Mais après, franchement, je suis un peu bluffée là. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et bon, alors la seule chose étant que je ne sais pas si en dormant, ça en laisse sur l'oreiller, hein, bien sûr. Parce que lorsqu'il mentionne sur l'emballage entre deux shampoings, il y a quand même des gens qui sont adeptes du low poo. Le low poo, c'est quand tu te laves les cheveux une fois par semaine et uniquement une fois par semaine afin de ne pas agresser tes cheveux pour qu'ils puissent ne pas regresser trop vite. Quand on leur fout la paix, en gros, les cheveux poussent plus vite, ils ne regressent, enfin, ils regressent moins que quelqu'un qui va tout le temps y toucher et les stimuler par un shampoing quotidien. Salut! Et donc voilà, je suis adepte de cette méthode depuis maintenant, je crois que ça fait 5 ou 6 mois que je le teste. Et j'ai vu vraiment une amélioration de la pousse de mes cheveux. Alors c'est sûr, je prends aussi des compléments alimentaires. Je vous en ferai d'ailleurs une revue sur ce que j'ai pris là ce dernier mois. Mais en gros, rien de plus que ce que je vous avais donné dans la vidéo des 60 astuces pour avoir les cheveux qui poussent plus vite. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je trouve ce produit super intéressant. Pas parce que c'est L'Oréal qui l'a sorti, bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le lien, vous abonner pour participer à ce concours. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, pour le n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime trop, trop, trop. Ciao! Are you listening?